Allo tout le monde, voici Champion MMCL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Salut Cricket, hey, ça fait un petit bout que je ne t'ai pas entendu. Viens donc plus souvent. T'es bienvenue Cricket. Aujourd'hui, nous sommes sur Clash of Clans. Bien évidemment, même là, qui m'a dit, faites Clash of Clans. C'est ce que je fais. N'inquiétez-vous pas, c'était déjà prévu Clash of Clans. Je vous le dis tout de suite, c'est deux jeux prévus. Aujourd'hui, ça va être plus... je vais plus parler. Bon, je vais attaquer, bien évidemment. Mais je vais peut-être un peu plus parler. Parce que j'ai plusieurs nouvelles à vous annoncer. Par contre, les nouvelles, ils vont attendre quand je vais commencer peut-être à attaquer. Qui va être peut-être plus préférable comme cela pour... Pour la raison que je vais attaquer à l'instant, que j'ai pas besoin de perdre le temps pour faire que... Pour, ok, c'est de dire des coups, puis ça veut pas sortir. Oh! J'ai oublié de me tromper de troupe, oups! Oups! Non, depuis le défi, j'ai pas arrêté de prendre mes troupes, les autres troupes que j'ai faites... J'ai continué à prendre les troupes et fuck les Valkyries. Puis la preuve, juste mes sorts sont les autres sorts. C'est que j'ai eu les Valkyries, vous savez où ça? Je déteste les Valkyries. Ça me fait mal. Tiens. Tiens, toi. Je suis comme habitué un peu à avoir l'autre technique. Je vais même par contre aller avec ceci. Un sort d'orage, parce que j'ai maîtrisé un peu la technique. Je pensais d'avoir peut-être 100%, mais non, à cause des 7 années de troupes. C'est ça la vie. Non, mais pour vrai, aujourd'hui, la vidéo, c'est ce qui était prévu. Pour ceux qui se le demandent, ok? J'ai un horreur, ok? L'horreur est souvent approximative, des fois j'en fais plus de vidéos. La semaine passée, j'avoue que j'ai fait plus de vidéos. Parce que ça me tentait, parce que c'est comme cela. Et en même temps, je pense. Hein, quand si j'arrête de parler, ce que je pense en même temps. On va faire un autre sort de rage. C'est un peu formidable. Deux étoiles. Et hop, il me reste encore des archis. Il me restait encore des archers, je l'avais même pas vu. Durant bientôt, les jeux de clan recommencent. J'étais dans un autre clan. Ouais, j'étais dans un autre clan. Trop concentré, je parle qu'est-ce que je faisais. J'étais dans un autre clan pendant la durée des... qui était une semaine environ. Pendant la durée des jeux de clan, un clan beaucoup plus gros. Mais, ce que je vais vous dire aussi, je dis ça, mais ça va s'en venir à un autre sujet par après, dont vous allez comprendre. Parce qu'on va faire de quoi en ce moment, même. Parce que, parfait, j'ai réussi, je l'ai. Je vous dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Fini, ta frappe, fini, qu'est-ce que tu veux dire? Inquiétez-vous pas, ça s'en vient. J'étais dans un autre clan qui se nomme... Attends un peu... Voilà. Baseball... Lyon... 52... Je suis rentré, j'étais une trentaine, si je me trompe pas. Puis... Nous avons eu les six choses qu'on peut avoir. Et j'en ai... Moi, qu'est-ce que je veux faire, c'est vraiment aller dans un plus gros clan pour voir la différence.
J'ai ceci. Un. Ça c'est deux. Le trois. Quatre. Sans les deux autres. Ah oui, les deux autres c'est des gemmes. C'est vrai. Ça c'est. J'ai tout eu ça. Justement. Vous voyez c'est. Non, c'est pas ça. C'est l'autre que je veux. J'ai ceci à améliorer. 80 000, c'est pas si peu, je peux pas dépenser plus que ça. Le prochain, c'est l'Arc-X à 4 millions, c'est pas. C'est parfait. Ouais, je suis rendu avec le. C'est pas formidable. Ouais. Vous voyez ceci? Non, c'est. Faut que j'aille là. Objet magique. Je prends ceci. L'utiliser. Et voilà! Mon record maintenant, c'est 10 millions de dollars! Vous l'avez vu en direct! Puis c'est sûr que je peux pas recommencer la vidéo. De toute façon, je recommencerai pas. Eh ben, cette vidéo-là. 10 millions de dollars, c'est mon record actuel sur Clash of Clans. Avant ça, c'était en 8 millions quelque chose. 8 millions 1000, quelque chose de même. J'ai un milliard. À l'instant. L'aigle artilleur. Artilleur. Oh! Pendant combien de temps? Juste 7 jours. J'ai le goût de le laisser pour vrai. Pour vrai, j'ai le goût de le laisser là. Mais. Je fais ce. Je le vais gaspiller. Terminé. Je vais vous expliquer c'est quoi. Ce livre magique aurait été rédigé par le maître ouvrier en personne. Il vous permet de terminer instantanément n'importe quelle amélioration de bâtiment et il marche dans les deux villages. Vu que je suis en vidéo, on va le gaspiller ensemble. Même si ça vaut peut-être pas la peine, c'est juste une semaine, mais c'est quand même très utile. Et voilà! Mon aigle artérieur est au niveau maximum, donc au niveau 2. Ah, c'est. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Je ne sais pas combien de temps, mais parce que j'ai quand même plusieurs choses à vous dire. Mais là, je vous laisse. Parce que vous avez vu une petite coupure. J'ai eu un appel, il faut que j'aille quelque part. Ça ne doit pas être trop long. Puis de toute façon, vous ne verrez absolument rien. Au montage! Ah, c'est le fun de le montage pour les vidéos. Alors, on se retrouve. Allô tout le monde, nous sommes de retour. Comme on dirait après le pause. Non, c'est pas vrai. Mais nous sommes, je suis de retour. Puis, comme que je disais avant, j'ai plusieurs choses à dire. La semaine passée, puis même il y a 2 semaines, je ne sais plus, je ne suis plus sûr. J'ai augmenté un peu le rythme de mes vidéos pour 3 vidéos par semaine. Ça, c'était juste temporaire. Juste pour vous dire, là, c'était que temporaire. Parce que je voulais faire d'autres vidéos que j'avais. Ça? Ouais, c'est ça. C'est à cause que j'avais le vlog de Sherbrooke la semaine passée que je voulais inclure, qui n'était pas prévu à l'horaire. Alors, pour ça, je me suis dit. Bon, je vais faire 3 vidéos d'affilée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, c'est 2 vidéos par semaine. Ça a toujours été le même, à peu près. Bah, pas toujours. Depuis un bout, c'est toujours. C'est. J'essaie de remettre un rythme, mais quand même. Bah, si je veux pas, par exemple, si j'étais en retard, je m'en fous, parce que je l'ai déjà dit que je m'en fous. Mais je me mets. Moi, je me mets volontairement un horaire quand même. Pour sinon genre ça serait une autre histoire. En parlant d'histoire, la légende du capitaine Fleur de Lys. Je vais peut-être le repousser parce que là alors que je tourne la vidéo je n'ai pas continué. Je sais pas pourquoi, même j'ai voulu continuer puis j'ai manqué l'inspiration que j'avais. Oh, aperçu. Bon, j'ai encore des idées, c'est pas ça, c'est juste que je cherche quoi écrire.
Je vais essayer pour à d'ici la fin du mois de juin de publier la vidéo, bien évidemment, mais que tu veux pas avoir être fait. C'est juste le goût puis l'inspiration aussi. Des fois, j'ai goût de d'écrire. Je vais écrire en masse. Des fois, j'ai pas goût d'écrire, j'ai goût de faire autre chose. Parce que là, je suis parti sur autre chose là, depuis quelques jours. C'est à peu près ça. Pour qu'est-ce qui est de l'horaire, c'est vraiment vrai. J'ai vraiment un horaire approximatif. Quand je dis approximatif, ça veut pas dire que c'est que même si je mets une vidéo, ça se peut qu'elle soit annulée à la dernière minute. Comme que il peut y avoir des vidéos qui n'ont même pas été annoncées puis que vous avez tout le kit. Pour le mois de juin, sachez que vous pouvez retrouver mon horaire. Sur mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Et vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord. Puis l'horaire des vidéos est là. Puis vous avez aussi toutes mes, vous pouvez aussi accéder à toutes mes plateformes que ouais, c'est ça, toutes mes plateformes. Mais c'est ça, pourquoi que 3 vidéos durant la semaine, c'est à cause que les 2 vidéos prévues que j'ai décalé ça. Le mercredi et le vendredi. Attends un peu. Même pas. Ouais, c'est ça. Oui, je les ai décalées toutes. Parce que OpenTTD, quand j'ai fait le montage du vlog, j'avais pas encore fait le OpenTTD. C'est ça. Qui est arrivé, l'OpenTTD, je l'ai repoussé la semaine suivante. Encore là, je n'aimais pas les dates et tout. Trois semaines, ça a été fait aussi durant la semaine. Par contre, l'essai de jeu, Grand Theft Auto 3, sachez que ce jeu a été tourné avant Trois semaines. Et si me trompe, est-ce que c'était avant OpenTTD? Je m'en souviens plus. Mais il était tourné avant Trois semaines. Ouais, parce que ça me tentait de le faire. Et pour ça, j'ai juste le montage, puis même le montage. Pas grand chose à faire. J'ai eu plusieurs coupures, mais encore là, minime. Les coupures que j'ai eues, comme je dis, c'est minime, mais on va faire un peu de flash là. Ah bon? Ah bon? J'ai amélioré mon. J'ai amélioré, je pense que le délai entre. avant comme sa vidéo était de 40. Il restait encore une quarantaine de minutes, mais c'est fini. Ah bon? M'en plaît pas. Je suis pas formidable. Je suis pogné avec le formidable depuis quelques temps. Ouais. C'est ça la vie. Les techs langagistes. Puis ceux qui me contredisent ça, sachez que un tic langagiste c'est. Genre, c'est comme ça, c'est les tics langagistes les plus populaires, là, les plus fréquents, mais moi c'est autre chose, complètement. Moi mes tics langagistes, c'est autre chose, complètement. Puis, il y a eu aussi. Un peu. Vous savez, moi je réfléchis pas, j'agis, mais je fais juste spotter. Moi, je veux juste regarder dans le fond le canon géant, c'est tout. Une fois le canon géant en vue, je m'élance assez rapidement. Puis ma stratégie est quand même bonne. Mais c'est ça que je dis. Attends un peu. Oui, c'est ce que je dis. Quand des fois je parle d'une affaire, puis même en parlant, j'oublie à cause de ma dysphasie, ça. Oh, qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez? On est je suis humain, comme tout le monde. J'ai pas grand-chose à. Il y a eu le Geekfest de Québec. Le 1 est le premier non. Oh, c'est pas vrai. Le premier, c'est le vendredi. Le 2 et 3 juin, c'était le Geekfest de Québec. Où il y avait les pouilloux du web avec
Kevin, Tuxani, Zach Lobos, Deng Chapelot. Il y avait sûrement. Il y avait Luduc. Il est toujours là, de toute façon. Mais tout ça pour Z! Il y en avait ben. Il y avait d'autres YouTubers, tout ça. Le pire dans ça, c'est. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi? Le pire dans ça, c'est que moi, j'ai pas été là-bas. Je sais tout ça! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah ouais, ça me tente de... Mais la raison pourquoi j'ai pas été, c'est pas que je ne voulais pas. L'argent. C'est pas mal l'argent. Qui vient en compte sur plein de choses. C'est toujours été ça. L'argent. L'argent. Oh, c'est pas fatiguant hein, l'argent des fois. Ouais, l'argent. Mais c'est ça, pour vrai là, pour aller à Québec, le problème c'est que j'ai pas le moyen de transport pour m'y rendre. Puis pour m'y rendre, faudrait que soit que je prenne l'autobus, mais l'autobus, je pense que j'aille à Berry-Cam pour ça. Combien ça coûte, je sais pas. Où ça me rend, je sais pas. Puis après ça, c'est où le kick-fest? Je ne sais pas plus, faut que je prenne les autobus et tout. Je connais pas le réseau de transport de Québec, qui est la RTC, le réseau de transport de la capitale, pour ceux qui ne le savent pas. Sinon, je pourrais y aller en auto, mais là, rendu là, bon, là, j'ai pas d'auto. Puis pour ça, même si je dirais en auto, faut louer une auto. Louer une auto, c'est pas donné quand même, ça coûte cher pour... 2 jours. Bah, une journée puis 2 jours, ça revient au... c'est le même prix là. Si tu le loues pour une journée, aussi bien de le louer pour 2 jours. Encore là, ça dépend de l'utilité que tu en fais, bien évidemment. Mais ça, faut que je loue une auto. Après ça, c'est 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Après ça, à Québec, faut que je trouve où que j'aille. Avec ça, je sais même pas c'est où le studio du cégep. Mon film, plus c'est un cégep ou non. Donc, Adredem l'a dit, puis même Tarvo l'a confirmé. Je m'en souviens plus, puis même si je m'en souviendrais, je sais même pas c'est où. Il aurait fallu que je cherche. En plus de ça, rendu là, j'aurais resté uniquement une journée, j'aurais juste été le samedi, j'aurais pas payé les 2 jours, juste le samedi parce que encore là, si je veux rester la journée suivante, il faut que je paye un hôtel bizarre fin même, encore là c'est de l'argent et tout. Puis, imagine si j'aurais été en autobus, ça aurait été moins peu par contre. Sinon j'aurais été fatigué, puis faut penser le retour là, puis tout ça. Puis j'aurais arrivé ça, te fous même pas quelle heure. Mais c'est ça, j'aurais pas pu vraiment venir à Québec, malheureusement. De toute façon, j'ai pas les moyens pour. Bien sûr, dans l'avenir, les moyens, je vais les avoir. C'est sûr que comme résolution que j'avais pris au début de l'année, c'est de faire plus de conventions. À date, le plus de conventions, si j'en fais plus, c'est un de plus. Ouais. En passant, je vais pas vous dire, j'avais fait une coupure. Puis. Ça, c'est le avant. Ça, c'est le après. Ouais. Je me fais les trophées. C'est le fun. De se faire des trophées. J'ai descendu en l'équivalence de Master 1. Mais j'ai pas tombé Master 1. J'ai fait l'équivalence de Master 1, mais j'ai pas tombé Master 1. En plus, j'ai manqué mes attaques. Je vais vous montrer ça. Pas de honte à dire. Oh, 2 attaques. Ah, ok. Le pire, des fois, c'est juste de peu. Là. C'est ça que le pire. Puis vous pouvez voir, c'est la stratégie. L'autre stratégie, c'est juste que j'ai. Accidentellement pris les autres troupes. Mais c'est ça pour Québec. Je sais pas s'il y en a qui s'attendaient.
pour ça. Puis encore là, est-ce que vous voulez savoir quoi? Alors que je filme, nous sommes vendredi, puis le 1er juin. Ouais, je vais vous le dire à la fin si vous voulez. Là, je le dis, mais après avoir dit les dates. En gros, je sais même pas qu'est-ce qui va se passer ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça, je veux savoir ça. Pendant que quand la vidéo va être sortie, probablement dans ces coins-là, je veux le savoir. Ben, pendant que vous l'écoutez, c'est dans ce coin-là que je veux le savoir. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'aurais regardé les vidéos de plusieurs youtubeurs qui font probablement la vidéo, dont Adredem, Tarvo, Abenix, je sais pas s'il va le faire. Tuxani, peut-être s'il va le faire. À peu près ça. Par la suite, je pense que j'avais parlé de du Oh My Fest dans la vidéo Thursman. La vidéo Thursman, j'ai fait, me semble que j'ai fait une petite annonce dessus, autre, si vous savez pas, je vous invite à l'écouter. Mais par contre, il va y avoir de gros changements. Quand je dis gros, c'est pas nécessairement sur ma chaîne, bien évidemment. Mais il va y avoir, oui, ça va y avoir probablement une influence sur ma chaîne directement. À partir de ce mois-ci, le mois de juin, ça va être un gros changement considérablement. Puis ça, c'est un changement qui va être... Merci. Qui va être maintenu. Je vais vous en dire plus au courant de mes vidéos, tout ça. De nouvelles vidéos puis de nouvelles séries vont voir le jour cet été. J'attends aussi une affaire en particulier que vous allez le savoir. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse la surprise. Mais il va y avoir de gros changements. Investissements, entre autres. Il va y avoir... cet été, je vais investir beaucoup sur ma chaîne. Quand je dis beaucoup, c'est... Beaucoup. Beaucoup trop, peut-être, à mon avis. Ou qu'est-ce que ça va me rapporter. Ouais. Mais, pour moi, ça va être un investissement. Pour moi. Personnellement. Non, ce sera pas nécessairement un investissement, mais plutôt des dépenses. On s'entend pour ça. Mais, pour moi, ça... On va dire que c'est un investissement. Parce que ça... Parce que c'est comme ça. Pour ça, mon village commence à être au maximum bientôt. C'est une question de temps avant que tu sois à 100% maximum. Question de temps. En autant qu'ils ne montent pas à la maison des ouvriers niveau 9 entre temps. Malgré qu'ils vont monter hôtel de ville au niveau 12. Que moi, je dis comme théorie électrique. Ils vont le faire électrique, c'est sûr et certain. Puis ramener les remparts électriques, sont quand même beaux. J'ai rien à dire, ils sont beaux, les remparts électriques. Mais... Puis en plus, il y a eu... ils ont fait une vidéo avec Clash of Clans, puis que... Où que on voyait l'ouvrier en train d'améliorer l'hôtel de ville niveau 11. Ça veut dire qu'il va l'améliorer au TDV niveau 12. Si vous l'avez pas vu, je vous l'invite à le trouver puis le regarder. Parce qu'il favorise l'amélioration. Ouais. Les ouvriers sont mis en avant. Beaucoup de changements qu'il va y avoir. Cet été. Autant direct qu'indirect. Mais beaucoup de changements. Quand je vous disais que au début de l'année, je vous disais que ce sera une année de changement. Pour moi, c'est le cas de le dire. Une année de changement. Pourquoi je vous en dis pas plus? Parce que je vais faire une vidéo spéciale juste pour ça. Pour ça que je veux pas vous en dire plus. Faire parce que si je vous dis ça maintenant, la vidéo à quoi bon le faire?
Encore là, j'ai de nouvelles, comme que je t'ai dit, j'ai de nouvelles séries que je vais faire, de nouveaux jeux qu'il va y avoir sur la chaîne. Dont un jeu, bon, je vais vous le dire, de toute façon, c'est pas un secret, il est sur ma. Il est affiché dans mon horaire. C'est Roller Coaster Tycoon, cette fois-ci Deluxe. C'est pas le classique, c'est Deluxe. Quand là. Compatibilité, plutôt résolution. Ça va être comme GTA. Le GTA 3 que j'ai fait. Ça va être la même histoire. Il va falloir. Ah, que ça va être long. Moi, ce que je fais, je quitte puis je retourne. Ça va beaucoup plus rapidement. Ça sauve du temps. Un peu. Puis maintenant j'ai 10 minutes, maintenant j'ai plus de 9 minutes, j'ai 10 minutes. Ouais, je l'ai parti à 3h du matin. L'amélioration. Ouais, depuis quelques temps, je me couche vers 2-3h du matin. Je me lève par contre tard aussi. Mais je me couche à 7h aussi. Moi c'est ça mon défaut, je me couche tard puis me lève tard. J'ai plusieurs idées en tête, même autres que des jeux. Yeah! Même autres que des jeux, j'ai plusieurs idées en tête. Il y a une vidéo où que j'ai le scénario est fait depuis longtemps. Bah, pas 100%, mais que j'ai arrêté d'y travailler. Mais il y a quelqu'un qui m'a redonné le goût de recommencer, c'est Kev. Ouais, celui qui fait de l'humour noir, de la grosse humour noir. Kev, il m'a donné le goût de continuer ce projet que j'ai arrêté pour un certain temps. Ah non, méchant bout. Quand je dis que lui fait de l'humour noir, ma vidéo, elle sera pas, je vous dis tout de suite, ça va être critiquable. Quand je dis critiquable, il va y avoir une avertissement. C'est sûr et certain. Vous allez être averti. Faut pas avoir de problème, bien évidemment. Mais la vidéo va être quelque chose. Je vous le garantis, là. Elle va être quelque chose. Du moins, je me gêne pas. En gros, c'est ça que je veux dire. Je me gêne pas dans ma vidéo. J'ai déjà écrit une partie de ça, mais je vous en dis pas plus parce que sinon ça va voler la surprise. Puis je vais essayer de le refaire. Par contre, je vais faire le scénario, mais le tournage va être comme long et pas à peu près. C'est pas croyable comment ça va être long faire le montage. Vous avez pas idée. Ça va être une vidéo qui va bah pas le montage. Qu'est-ce que je dis là, le montage, je vois pas si pire que ça. C'est prendre toutes les scènes et tout là, ça va être long. Je vous dis, ça va être la vidéo où que ça aura pris le plus de temps de tournage. Je vous annonce ça tout de suite et c'est une égalité. Même que j'ai fait un. Est-ce qu'on le voit? Je vais le faire ça vite fait. 100%. 100%. Bon, j'ai fait 200% d'affilée. Ouais, 200% d'affilée. Une victoire puis une égalité. Puis en ce moment, ma stratégie, j'ai repris une ancienne stratégie aussi pour Clash of Clans. Pour ça. J'ai pris une ancienne stratégie, c'est à un moment donné j'évitais ça, mais là je fonce. Puis ça fonctionne bien, les deux peuvent aussi bien, ça dépend du cas par cas aussi des villages. Si tu fonces des fois, ça fonctionnera pas, oublie ça, arrête ça, ça fonctionnera pas, mais des fois, aller de l'inverse va fonctionner. Mais ça dépend du cas par cas. Les sorcières de la nuit, je suis vulnérable, ça a l'air, je me fais faire... de temps en temps des 100%. Ça, je cacherai pas ceci.
cet été. Je pense que je vais vous annoncer officiellement là. Je vais refaire la vidéo, mais je vous avertis officiellement que pour le Home Fest, je serai présent. Je ne suis pas invité. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas invité. Loin de là. Mais je vais me rendre au Home Fest. Je sais que l'année passée, j'aurais pu tout ça, mais finalement, j'ai. Je pensais pas que j'avais le droit à l'extérieur, tout ça. Parce qu'il y en a qui voulaient me voir, puis ils étaient déçus que je ne sois pas là. Parce que j'avais même une. Tuxani, avec le boss et Dink Chaplos, j'ai pris la photo avec mon nom dessus, champion MCL. Puis, d'une certaine façon, je pense que j'ai un peu regretté de pas y avoir été. Là, je vous dis la vérité un an plus tard, bien évidemment. Je vous ai averti la vraie histoire pourquoi j'ai pas été au War My Fest de 1. La vraie raison, parce que je ne savais pas que je pouvais aller sur le site. Mais la deuxième raison aussi, c'est à cause de l'argent. Vu que j'avais pas d'argent, puis je savais pas dès que je pouvais aller sur le site et tout ça. Mais là, je vais y aller, peu importe le prix que ça coûte, je vais y aller. Parce que c'est comme ça. Il faut que j'y aille quand même. Ça va être peut-être une bonne expérience. Comme j'ai dit, comme résolution, plus de conventions. Hein? On s'entend? Plus de conventions, plus un. J'aurais eu ma résolution, je l'aurais réussi. Même si elle a plus ou moins réussi, j'aurais réussi ma résolution. Convention, un mélange avec convention puis résolution. Ça dépend aussi où l'hôtel de ville. La maison des ouvriers qui est placée aussi. Faut se dire ça. Par où que j'attaque, là, ça dépend aussi de la maison des ouvriers où qu'elle est placée. Ça, c'est parfait. J'ai amélioré deux fois ma machine de combat. Puis non, j'ai pas le 50% et encore moins les 2 étoiles. J'ai rien dit pour le 50%. Mais vraiment absolument rien dit. Je me suis fait faire un 100%, j'aurais juste créé une égalité. Ça arrive ça des fois. J'attaque, puis à un moment donné, ça a déjà arrivé. J'ai attaqué constamment. Pis pas une victoire, pas une. Oh. Bon, je sais pas que j'étais parce que c'est... j'ai sûrement accroché bien évidemment le bouton qui est toujours mal placé. Peu importe où tu le mets, là, il est toujours, mais bien toujours mal placé. Je sais pas où j'en étais. J'ai mon record ici, c'est 3609. Je voulais vous parler de ceci, c'est une... Quand je dis changement aussi, c'est... J'ai pensé à quelque chose, sur Discord, il va y avoir une mise à jour à un moment donné, mais ce sera pas une... Pour qu'est-ce qu'il y a des salons, je vais refaire les salons, probablement. J'aimerais ça avoir des idées, comment que je pourrais l'organiser. Puis il va aussi y avoir... Ben, la principale raison aussi, c'est pour... les droits, les permissions, puis tout ça, les rôles et tout. Et je reste de faire quelque chose avec ça. Peut-être des grades que je vais inclure. Ça va être cette mise à jour va plus être administratif qu'autre chose. Puis il faudrait, quand c'est un petit problème de permission. Qui pour vous, ça n'a aucune influence, mais c'est plus côté administratif. Mais il faut que je vais régler. On va régler ça à un moment donné. Quand que j'aurai le temps, tout ça, quand que je vais me décider de le faire. Mais pour ça, il va y avoir aussi une nouveauté sur Clash of Clans. Vous savez, j'ai 2 villages. Si vous ne savez pas, maintenant je vous dis. Pour le second village, il n'a jamais été fait pour ma chaîne secondaire. Ce serait pas une...
mauvaise idée, mais le problème c'est que il est sur c'est sur iPad. Puis iPad, j'ai juste trouvé une seule application fonctionnelle, une seule. Puis encore là, c'est buggé, tout ça, c'est pas les me la meilleure chose. Regardez Magic Piano. C'est pourquoi que je fais pas autant de vidéos sur ça, parce que juste à cause de ça. Tandis que sur ça va bien, c'est sûr que je pourrais mettre. L'affaire, c'est que j'ai essayé de même connecter les deux comptes, mon compte, parce que j'ai commencé sur Magic Piano la première fois quand j'avais mon Samsung Galaxy Tab 2. Une vieille tablette là. Puis j'ai pas mal de musique, mais sûrement que j'ai dépassé avec mon iPad là. Puis j'ai essayé de le faire pour pouvoir le faire sur mon cellulaire, puis j'ai pas réussi. Est-ce qu'il y a une façon de le faire? Je sais pas. Faudrait que je m'informe. J'ai jamais fait des recherches non plus. Mais ça se peut que c'est par périphérique. C'est ça, c'est fuck d'une certaine façon. Parce que ça me limite un tout petit peu. Mais la grosse nouvelle est sur mon second village. Vous montrer mon second village. Clash of Clans. Nous sommes 21. C'est ouvert à tous, bien évidemment. Il faut juste avoir un minimum de trophées requis de 800 plus 0 village. Ça se peut que je le monte par contre à 200 pour second village. Parce que je suis quand même sur le second village, j'aime bien ce mode-là, honnêtement. Vous voyez ceci? Je vais le faire tout de suite. Parce que ça me tente. Faire de champion MMCL le nouveau chef du clan. Là, vous tombez. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi? Vous allez comprendre. Ça, c'est mon village que j'améliore tranquillement, pas vite. Je l'améliore moins vite. Je l'ai délaissé un tout petit peu, mais je vais reprendre ceci. Parce que je le ferai pas en vidéo. Je le ferai pas tout de suite en vidéo. Mais je vous annonce tout de suite que je vais créer un nouveau clan. Oui, un nouveau clan. Le nouveau clan, parce que l'affaire, c'est que je sais pas pourquoi j'ai pas pensé sur le coup. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé sur le coup. Vraiment, là. La cité d'or, parce que. Je vais vous dire aussi la raison à laquelle que. La vidéo, je sais qu'elle va être longue, ok? Je sais qu'elle va être longue. Même moi, ça va être long pour monter ça, je le sais. Mais. Je le fais quand même, je m'en fous. La cité d'or, pourquoi la cité d'or? Parce qu'il y a une émission qui se nomme Les Mystérieuses Cités d'Or. Ça vient de pas mal de là. C'est juste sur la raison à peu près. Puis c'est ça que aussi qui est venu. Là, on nous donne. Bah, j'y ai pensé, c'est fait un petit bout de ça. Là, on nous donne la puissance de combat pour avoir la victoire du meilleur clan. Simple. Pour c'est un mot. Moi, je trouve que c'est accrocheur. C'est simple. Mais récemment, avant d'aller dans un autre clan, bien évidemment, j'ai pensé à ça. Comme moi, tu sais, les jeux de clan, de toute façon, j'y reste encore un tout petit peu pour. Je vais faire les jeux de clan. Puis de toute façon, je reste encore un peu pour. Parce que. On s'entend que faut que bien que je fasse que la vidéo soit publiée. Là, il publie pas avant quelques jours. Pendant que vous allez le voir, la vidéo, ça va être déjà parti. C'est dans 3 jours, qui veut dire samedi, dimanche, lundi. Et j'ai pensé à ça. Je suis champion 3. Je voulais, quand j'ai pensé à ça, après ça, parce que ici, jeu de clan, malheureusement, ça fonctionne plus ou moins. Le plus haut qu'on s'est rendu, c'est tout seul, bien évidemment. Ouais, avec aide, mais avec l'aide, je peux quasiment considérer que j'étais tout seul là. C'est au palier 2.
Là, j'étais dans un enclin, j'étais au palier 6. Vous savez, l'amélioration que j'ai faite au début de la vidéo de l'aigle artérieur, c'est deux affaires qui ont pu obtenir au palier 5 et 6. Je n'aurais jamais pu l'obtenir avant. Puis j'ai goût aussi de créer un clan aussi. C'est pas la raison principale, c'est pas pour ça. C'est parce que le nom du clan, ça va être le nom de ma chaîne. Le nom du clan, ça va être Champion MMCL. Écrit. Sachez que le légendaire MMCL, c'est un caractère de plus que champion. Sachez que ça. Ça va être écrit exactement comme cela. Cause de tout même, de toute façon. Si on regarde là. Recherche de clan. Il y a champion clan, champion clan, champion clan. Clan. Champion clan, MMA clan, champion clan. J'avoue que c'est pas la meilleure idée, champion même celle. Mais la différence, c'est qu'au moins vous allez pouvoir le reconnaître. Puis je vais garder le même logo que les vagues. Comme on dirait comme des vagues. De toute façon, j'ai encore 100%. Seule chose, c'est que je suis pas chef, là. Je mets tous les droits. Là. Je dis tout. Puis même si j'ai pas les droits, je m'en fous pas. Juste après me connecter sur mon second village, puis me mettre les droits, je m'en fous. Si vous savez pas à quoi que ça ressemble à une interface, quand je l'ai peut-être jamais montré, je m'en sais plus. Ici, on modifie. À un moment donné, l'écusson pouvait le changer par rapport au niveau, mais c'est dommage qu'on puisse plus le faire. C'est dommage. Moi, j'ai ça. Il y a tout ça de possibilités. Puis, avec les couleurs qui viennent avec. Puis, qu'est-ce que je veux faire, là? Pourquoi que j'annonce ceci? Parce que, et pourquoi je veux faire un clan? Ce clan-là, malheureusement, ça va être un gros clan que je veux créer. Qui va demander minimum. Je vais peut-être en accepter quelques-uns en bas. Bon, quand même, les gardes-clans, c'est avantageux d'avoir des petits villages aussi. On s'entend. Il va y avoir quelques petits villages, mais les petits villages, ça sera pas tout le monde qui vont pouvoir y aller. Il y a deux personnes. Au moins qu'ils vont pouvoir y aller, il y a l'heureux qui va pouvoir rentrer. Toutes les autres en bas de ça, ils ne rentreront pas. Et il va y avoir aussi Kiran. Il n'est pas dans le clan actuellement, mais il s'amuse à rentrer dans le clan puis ressortir. Vous-même, vous le montrez ça. Vous pouvez voir même que j'ai quitté le clan complètement il y a 10 jours. Puis que je suis revenu il y a 3 jours. La durée de vraiment la durée des jeux, puis j'ai même fait une carte entre temps parce que ça a été rapide. Kiran, lui, il rentre, tu sors comme si rien n'était, hein? Hein, Kiran? Ça rentre, puis ça sort. Mais quand à un moment donné, ça est revenu actif, puis ça est redevenu encore inactif. Je sais pas pourquoi avec moi. L'inactivité est présente. Si vous voulez, vous pouvez toujours venir surtout dans ce clan-là. Tout le monde est le bienvenu. Mais par contre, au pire que je peux faire, c'est ce clan-là. De toute façon, ils sont mon second village, c'est correct. C'est moi qui contrôle tout. Pour ce clan-là, tous les abonnés sont les bienvenus. Puis si vous avez les niveaux, vous pouvez monter dans mon gros clan qui va être 2000 trophées. Des deux bords, village principal et second village. Ça va être 2000 trophées minimum. Ça va être vraiment, moi je vise, qu'est-ce que je veux viser cette fois-ci, c'est essayer de performer, essayer de vraiment performer pour aller, pour avoir un gros clan. J'aimerais ça faire cette expérience-là, créer un gros clan. Puis j'ai même plus de chances que maintenant, parce que je suis champion 3. Tandis qu'avant ça, j'avais moins de crédibilité, comme vous comprenez. Là, j'ai plus de crédibilité en étant champion 3. Sachez que je suis bloqué là pour un bon bout. Oui, je vais monter champion 2 peut-être à un moment donné encore. Mais je vais redescendre champion 3 parce que j'ai pas le niveau d'attaque. Mon niveau d'attaque
T'as encore à travailler. Mais c'est pas mal ça, la grosse nouvelle sur Clash of Clans, c'est pas mal ça. Je risque peut-être de faire, et j'ai dit Clash of Clans, au pire, vous me direz en commentaire si oui ou non je refais une vidéo ce mois-ci. Quand j'ai écrit, quand je manquais une vidéo, puis il fallait que je fasse boucher le trou. Puis je me suis dit, c'est vrai, de toute façon, Clash of Clans, je m'en fous que j'en fasse 56 millions en un mois. Pas 56 millions, là. Mais en faire quelques plus que un durant le mois, je m'en fous, parce que c'est la série de ma chaîne. Je peux toujours en profiter. Puis même si ça prend une heure la vidéo, je m'en fous! Parce que j'ai trop de choses. Je parle trop en ce moment. De toute façon, c'est la série de ma chaîne, c'est bien Clash of Clans, et ça va y rester tant qu'il y a aussi longtemps que Clash of Clans existe. Puis il est pas prêt à tomber. Ça, je peux vous le dire. Il n'est pas prêt à tomber. Du moins, pas pour l'instant. Clash of Clans va rester la série de ma chaîne. Puis pour ça, puis en même temps, il n'y aura pas d'autres Clash of Clans de l'été. Je vous dis tout de suite, il n'y aura pas d'autres Clash of Clans de l'été. Une série qui va revenir, que j'ai décidé, c'est la série de l'été. Ça va être comment bien commencer à Minecraft. Ouais, cette série n'est pas abandonnée. Elle est juste pour l'été. Une fois par mois. Non, c'est vrai, j'avais fait une fois ou 2 semaines l'année passée. Faut pas que je leur modifie l'horreur. Puis entre les deux vidéos de Minecraft, de ce Minecraft-là, je faisais un jeu. Je pense que c'est de là qui m'est venue l'idée, essai de jeu, si je me trompe pas. Je pense que c'est de là qui m'est venue l'idée de partir une série essai de jeu. C'est de l'été passé. Ça fait déjà un an. Puis non, je vous dis officiellement tout de suite, je n'ai pas prévu de vidéo pour un autre vidéo de présentation 4. Il est pas prévu. Parce que pour l'instant, on va dire qu'il est à jour. Parce que avant ça, c'est l'affaire, c'est que je voulais mettre plus de dynamisme. C'est pour ça que je l'ai refaite. Puis pour ça que le monde en disait encore, mais ça faisait déjà un an là, que la vidéo. Et ça passe tellement vite. On est déjà rendu l'été. Ah mon Dieu! Ça fait déjà pratiquement un an que Steelers a passé les 500 000. Puis bientôt les 600 000. Wow! Non, j'ai pas prévu de vidéo pour les 600 000. Non, je l'ai pas prévu. Mais par contre, je laisse ça en suspens. Quand il va y avoir 600 000, il va y avoir une vidéo spéciale pour les 600 000. Oui, je suis au courant de ceci à cause de live Twitch. Ouais, j'ai fait une petite. Il demandait de faire une petite vidéo pour Steelers là. La vidéo était que. Une petite vidéo dans maximum 30 secondes pour tout ça, puis j'ai fait une petite vidéo. Ah oui, je vais vous le dire tout ça, je m'en fous de toute façon. Vous savez pas ce que je dis, vous allez voir. En gros, il disait ça. Ah, pourquoi pas le faire? Faire une petite vidéo pour Steeler. Puis j'ai fait une petite affaire, vite vite. Puis j'ai dit, c'est correct que je le fasse sur ce. Non, j'ai dit à personne, je vais le faire ce soir. J'ai dit, non, c'est pas pour l'instant, tu peux le faire plus tard. J'ai fait le soir même, là. Peut-être pour rire un peu. J'ai filmé, j'ai arrêté d'écouter le live parce que j'écoutais le live, je m'en souviens plus qu'est-ce que. C'était pourquoi. Ah, je pense qu'il était en train de coder son jeu de labyrinthe, je pense. Bon, je pense que c'est ça, mais peu importe. Après ça, j'ai pris mon cellulaire, j'ai filmé tout. Puis aussi, alors c'est vrai, j'avais parlé la qualité audio qui a augmenté tout simplement que je mets mon micro cache, mon pile en arrière, puis il branchait au micro à l'ordinateur. C'est ça qui fait que la qualité est meilleure. Puis je coupe le son de mon cellulaire, puis je calibre le son de l'image de mon cellulaire puis de l'ordinateur ensemble, puis je coupe, je mets mieux celui du cellulaire. C'est pour ceux qui se le demandent. Okay, je dis ça vite vite. C'est ça. La vidéo Clash of Clans la plus longue. Ça va être la, je pense que ça va être la vidéo de Clash of Clans la plus longue de ma
de ma chaîne et je m'en fous complètement. Parce que c'est aussi une vidéo annonce. Pour ceux que vous allez voir dans le titre, c'est là que maintenant je le décide là. Mais vous allez voir dans le titre Clash of Clans annonce. Ouais, parce qu'il y a plusieurs annonces. Trop de choses à dire. Puis il y a d'autres, quand je parle, il y a d'autres idées qui me viennent en tête, tout ça. Mais là, celle-là, je vais essayer que ce soit la dernière, par contre. Mais ça, pour ça, je fais le montage, tout ça, puis après ça, je l'envoie par courriel, un lien pour la vidéo, tout ça. Puis je reçois une semaine depuis tout tard pour vous dire merci pour la vidéo. Ouais. Est-ce que je vais l'être choisi, je sais pas, mais pas fou, moi je l'aurais fait au pire, dans le pire des cas que je vais faire, je vais l'inclure dans une vidéo, au pire. Ouais. Ça va être à peu près tout pour la vidéo, là vous voyez 40 minutes, plus un 10 minutes, plus un autre 10 minutes qui va pratiquement durer une heure. Ça va pas durer une heure, ça va durer peut-être 45 minutes 50, voire une heure. À peu près, moins les coupures. C'est une vidéo, on va dire, spéciale. Ça, si je fais... Ça se peut aussi que ça soit la dernière vidéo de l'été, avant l'été. Que je ne ferai pas de Clash of Clans durant l'été. À moins que ça soit vraiment important que j'en fasse une, à cause d'une grosse mise à jour. Si est le cas. Parce que c'est vrai, ça va faire... Si c'est pas... Je pense que ça va... Pourquoi c'est, le monde dit que ça va avoir l'hôtel de ville niveau 12 bientôt? Parce que ça va bientôt faire 6 ans que Clash of Clans existe. Puis moi, rajouter un an de plus à ma chaîne, c'est le temps que ça... C'est exactement le temps. Donc ça, hey, ça va faire bientôt 4 ans que ma chaîne, ça va faire 5 ans bientôt que je suis sur Clash of Clans. Ouais, c'est incroyable comment que... passe vite, c'est pas croyable. On dirait depuis le début de mon DEP là, ça y a juste passé quoi, 6 mois, 1 an là. Divise le temps par 2, on dirait que c'est ça que le temps passe, qui passe. On dirait que le temps passe 2 fois plus vite. C'est incroyable comment le temps passe vite, pas croyable. Elle passe vite et lent en même temps. Ça dépend comment tu le vois. Encore là, par contre, ça, c'est de la philosophie. Mais, tard de bavardage, c'est vrai, l'autre vidéo, je pense que avant que je coupe accidentellement, c'est 20 minutes, et non 10 minutes. On vous aura 1 heure, la vidéo. Pas grave. C'est une petite spéciale. Alors, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, qui était une bonne vidéo, quand même. On va même attaquer une dernière fois pour terminer la vidéo. Alors pour ça, je dis ça, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que le mois passé, j'ai fait moins 2 abonnés. J'ai passé de 414 abonnés à 418 pour descendre à 412 abonnés. C'est pas comme ça que je vais devenir un grand YouTuber. Avoir les 1000 abonnés jusqu'à date, je le vois pas cette année, les 1000 abonnés, puis ça va être encore marré. En résolution pour l'autre année de 2019, ça continue. Mais par contre, il y a deux vidéos que faut que je fasse, que faut que j'attende de toute façon pour certaines choses. Deux vidéos que je vais faire, peut-être ça va faire changer le tout. J'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte, vraiment, comme que je disais, j'ai plusieurs idées en tête. Pour qu'est-ce qui est de... Je sais qu'on l'année passée, on m'avait dit pourquoi il ne veut pas déjeuner pour Noël du campeur pour une deuxième version. Je vais peut-être essayer, mais l'affaire, c'est que j'ai pas d'idée quoi faire. Je vais peut-être m'arranger de quoi, on sait jamais. Ça serait peut-être une idée de refaire une autre vidéo. Je sais que c'est pas, il y a pas juste une personne, il y a quelques personnes qui me l'ont demandé. Qui trouvaient ça dommage. Je vais peut-être en refaire une autre, je vais voir à ça. Je sais pas comment que ça va être fait la vidéo, honnêtement, là, mais je vais essayer de m'arranger quelque chose.
Ouais. Il y a aussi une autre affaire que je vais faire, par contre. Je sais pas trop comment que je vais le faire. Les idées aussi que je faudrait que je fasse. C'est ça, c'est une future série, mais qui va me demander énormément de travail, par contre. Mais comment que je vais le faire, là, ça, je ne sais pas encore. Je vais faire le scénario avant, par contre. Mais alors, pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est le bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Qui peut-être soit que ça va être à la fin du mois si j'ai pas de trouvé de jeu. Ou encore, ça va être. Sinon, ça va être au mois de septembre qu'on va reprendre les séries normales. Puis, il y a une série que j'ai hâte de commencer. J'attends pas un essai de jeu, j'attends autre chose par contre. Qui va commencer cet été. Même Roller Coaster, ça va être une série. Mais il y a tellement de séries. Oui, je sais que par contre, que ça va être. C'est un vieux jeu, Roller Coaster, qui date de l'année 2000. Mais je m'en fous. Moi, tu sais, ma chaîne, là, juste avant de quitter, ma chaîne, si vous ne le savez pas, moi, je fais ce que je veux. Des jeux que j'aime. C'est sûr, ça me dérange pas d'aller avec des jeux récents. Mais j'aime quand même les jeux. Les vieux jeux, les plus vieux jeux comme Roller Coaster, Age of Empire, que oui, Age of Empire, et je vais que tu ouvres pas, c'est pas une série abandonnée, j'avais la poursuivre. Faut juste que j'attends encore des choses. Encore. C'est toujours le cas, j'attends certaines choses. Il y a d'autres séries qui fait longtemps que j'ai goût de faire. Encore là, ça me tente plus si ça me tente de le faire, mais je vais le faire. C'est pas un secret. Cela sera pas un secret, je m'en fous un peu. C'est Pokémon. Oui, Pokémon. J'ai là en ce moment j'ai des théories Pokémon, mais je compte faire à un moment donné des séries sur Pokémon. Mais vraiment sur les jeux Pokémon, les gros jeux comme Jaune, ce sera mon premier jeu Pokémon que je vais faire. En vidéo, je vous l'annonce tout de suite. Mais là, encore là, qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je le fais pas maintenant? Vu que c'est sur DS, que je vais faire sur 3DS, bien évidemment. Je vais m'acheter un 3DS avec Capture Board, qui coûte 500$. Encore là, j'ai pas l'argent. Rendu là, c'est vraiment l'argent, puis manque de matériel qui fait en sorte que la série n'a jamais vu le jour. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Mais qu'est-ce qui me bloque, c'est vraiment ça. Mais comme que je dis, cet été, c'est une année de changement. Cet été, je vais m'arranger de travailler. Inquiétez-vous pas, je vais m'arranger de travailler pour me faire un peu d'argent. Et ouais, parce que on s'entend qu'il faudrait que je me fasse un peu d'argent si je voudrais percer sur YouTube. Ça l'aiderait peut-être. Parce que, oui, j'avais dit à un moment donné, est-ce que je continue? La vidéo exacte, est-ce que je continue? Je parle ça, je peux pas. Ça va durer, ça va être. La vidéo va durer 1h30, ça continue. Ça vaut la peine, ça dure. Mais ça va être officiel, c'est la dernière vidéo de Clash of Clans pour. Je vais le changer. Allez pas voir si ça laisse sur l'horaire, il ne sera plus. Ça va être la dernière vidéo de Clash of Clans pour avant l'été. Genre, la série va recommencer en septembre. Je vais mettre la première vidéo en septembre. Qui veut dire, ça va être la première vidéo du retour des vacances de l'été. Ouais. C'est pas de chier, mais vraiment fou. On va laisser ça de même. Comme je vous dis, je vais commencer. Je vais travailler cet été. Ça va me permettre de travailler justement une vidéo par semaine. Mais encore là, faut que je me trouve un emploi. Faut que j'aille à l'école et tout ça. Parce que j'ai toujours pas fini, on s'entend. Ouais. Alors pour ça, là ça va être vrai. Je vous dis
Je sais, je vais me répéter. Ça serait vraiment très apprécié pour avant l'été, le 21, parce qu'on est encore au printemps, faut se dire. Même s'il fait chaud, on est encore au printemps. J'aimerais ça avant cet été, qui ne sera probablement pas irréalisable, avoir les 500 abonnés. Et j'avais aussi une autre affaire aussi. Si au mois d'août, j'ai tant d'abonnés, je sais plus le nombre, je pense que c'est 600. Je m'en souviens même plus du nombre, honnêtement. C'est pas grave. Je dirais ma date de naissance, mon âge, parce que personne ne sait mon âge, honnêtement. Du moins, que très peu de monde savent mon âge. Puis je vais dire mon âge et ma date de naissance si j'obtiens un nombre d'abonnés avant le mois d'août. Je pense que j'avais dit 500 abonnés avant l'été. Puis 600 pour au mois d'août. Si j'atteins ces chiffres-là, je vous le répète, je suis sûr que les trois quarts du monde ont quitté la vidéo depuis longtemps. Pour les courageux, je vous dis ceci. Écrivez 14 dans les commentaires si vous avez vu la vidéo au complet. Puis faites j'aime si vous voulez aussi, là. Mais si vous avez vu la vidéo au complet, écrivez dans les commentaires 14. Je serai qui que écoutez la vidéo au complet. Je sais que personne ne va comprendre, là. Pourquoi 14? Ça va m'indiquer qui que écoutez la vidéo au complet. Ah, pour ça, c'est vrai, je vous dis merci à tous.